On a fait une soirée bizarre entre potes avec une application de jeu et ma meuf a dû lécher les... maracas de mon meilleur pote. Vous trouvez que c'est de la tromperie ? Non, la vraie question c'est... Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec ? Ça joue, c'est dans l'esprit du jeu ! Ah, bah si c'est dans l'esprit du jeu alors... 100% non, pas tromperie ! Lui c'est le meilleur pote en question ! Ça m'a fait des chatouilles mais il était cool ce jeu ! Le nom du jeu ? C'est pour un pote. Il doit pas aimer sa meuf pour la laisser faire, surtout. Et ouais, parce que quand vous aimez une meuf, vous la laissez pas faire n'importe quoi. Une meuf, ça se dresse. Tromper, c'est que t'es pas au courant. Si t'es là et que tu joues, c'est que t'es d'accord. MDRR, le karma va tomber très fort sur toi. Si tu souhaites du malheur, il arrivera sur toi aussi. Ce qui gêne le plus dans une tromperie, c'est le mensonge, clairement, car tu te sens trahi et tu n'as plus confiance. Ma femme m'a trompé avec un autre homme. Ah mon dieu. Et elle l'a fait devant moi. Oh bah ça va alors. Ton honneur, mec, elle t'a chié dessus à un niveau interstellaire. Interstellaire, carrément. Chérie, je t'ai trompé. Quoi, mais...